Salut, aujourd'hui sur l'Escalator, on reçoit Tony Ritz, DJ et producteur français, premier artiste électro signé sur le label My Major Company. Élevé au son de Daft Punk et Wax Taylor, il propose ce que certains critiques qualifient déjà de French Touch remise au goût du jour. Tony Ritz sort à 27 ans un premier album, Night City, qui promet de tourner dans les clubs cet été. On le retrouve sur l'Escalator avec Céline. Alors, on fait un petit tour d'Escalator, Tony ? Ouais, pas de problème. Je te suis. Vas-y. Alors déjà, je voulais savoir d'où vient ton nom. Est-ce que c'est un pseudo ou est-ce que tu as un lien avec la famille El Fayed qui est propriétaire non, de Ritz ? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est venu par hasard. En fait, quand j'étais au lycée, comme je saoulais les potes avec mon son, tout ça, fallait que je me trouve un nom au bout d'un moment et j'ai trouvé le nom qui se rapprochait le plus de mon nom et mon prénom, en fait. D'accord. Alors, quand on parle de nouveaux producteurs qui sortent du son en électro en France, on parle toujours de la French Touch. Ouais. Est-ce que ça a encore un sens, cette expression, ou est-ce que c'est finalement un peu galvaudé et on l'emploie un peu à tout va ? Bah, on l'emploie un peu à tout va, mais enfin, il faut toujours mettre des cases aux choses, en fait. Donc, dans un sens, ça décrit quand même bien ce style de musique. Mais après, je suis... J'ai rien contre, mais en même temps, je vais pas dire que je fais de la French Touch. Mais ça te décrit quand même bien ce style de son oui, qui vient de France. Oui, parce que ton style est quand même beaucoup mélangé. Voilà, tout à fait. Et qui a bien fait connaître les Français à l'étranger aussi, quoi. Donc non, ouais, je dis ouais, de la French Touch, ça décrit quand même pas mal, même si je l'utilise pas ou que c'est pas comme ça que je décrirais mon son, quoi. Comment tu le décrirais ? Justement, je sais pas. J'aime pas décrire. Pour moi, c'est du son, c'est spontané, c'est ce que j'avais envie de faire sur le moment. Après, par rapport à l'album, limite, ouais, on dirait French Touch, je sais pas, 1.5. Ça mélange là un peu l'1.0 et la 2.0 qui était plus saturée. La première qui était plus disco, filtrée. Mais au final, c'est beaucoup d'inspirations différentes. Voilà. Je pense en fait French Touch, c'est pour simplifier le truc, en fait, je pense. Pour... Alors, t'as démarré, on va refaire un petit tour d'escalator. Vas-y. T'as démarré la musique dans les années 90. On dit souvent que cette période est un peu pauvre culturellement et musicalement. Qu'est-ce que t'as retenu, toi, de ces années ? Les années 90 ? Ouais. Bah, comme je suis né début des années 80, en fait, c'est là où j'ai vraiment écouté de la musique, que ce soit... pas des merdes, mais des trucs commerciaux, on est tous passés par la dance, la dream music avec Robert Miles, tout ça. Sinon, il y avait... non, il y a eu pas mal de trucs. Déjà la French Touch qui arrive un peu plus tard, mais oui, on redit French Touch encore. C'est vrai. Mais non, ouais, là, tout ça ce qui t'a quand même inspiré. Voilà, les DAF déjà à partir de 94. Mais sinon, non, il y a eu pas mal de trucs. Non, 90, pour moi, je trouve que c'est une bonne année, il y a eu pas mal de choses. Et après, c'est peut-être aussi mon côté nostalgique qui fait que quand j'écoute la radio maintenant, je me dis merde, par rapport dans les années 90, c'est plus la même chose, c'est plus formaté. Il y a plus de liberté, je pense. Aujourd'hui ? Ouais, voilà. Non, avant. Avant dans les années 90, justement, il y avait moins de formatage, les radios passaient plus de... Il y avait du rock sur Fun Radio, plus il y avait fou, tout. Quoi. Voilà, c'était moins que les années 80, mais plus que les années 2000, quoi. Alors, dans l'ensemble, est-ce que tu es un homme de l'ombre ou de la lumière ? C'est-à-dire, est-ce que tu préfères être dans tes studios, derrière tes machines, ou derrière les platines avec la foule qui scande ton nom ? Moi, je suis plutôt de l'ombre, en fait. Ouais. D'ailleurs, je suis devenu moins sociable qu'avant depuis que j'ai bossé sur l'album, en fait, qu'on était enfermé en studio avec toute l'équipe. Du coup, non, je suis plutôt de l'ombre. J'aime bien qu'on me laisse un peu tranquille. Mais non, de temps en temps, quand le soleil se couche la nuit pour aller faire la fête, tout ça. Mais sinon, non, je suis assez tranquille et rester posé au calme et dans l'anonymat. D'ailleurs, avant, je montrais pas ma tête, en fait. T'étais masqué, voilà. C'est ça. Voilà, voilà. Alors, cette interview touche à sa fin. Il ouais. Y a le cadreur Ludivine qui va te proposer trois questions au choix. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Alors, il y a la question GPS, il y a la question actu, et il y a la question, il y a une femme derrière chaque grand homme. La question actu, allez. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances, Tony ? Je pars en Bretagne au calme, me reposer en fait de tout le boulot de l'album et m'enlever la pression de la sortie de l'album en fait. Comme ça, moi, je serai au calme, tranquillement au bord de la plage. Pendant tout l'été ? Non, que le mois de juillet. Après, on rattaque au mois d'août en fait pour préparer les soirées de septembre, tout ça, quand tout va démarrer. Donc, décompression tout le mois de juillet. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonne continuation. Merci. À et vous puis, aussi. On te laisse continuer ton chemin. À la prochaine. Merci. Salut.